Bonjour, bonjour, Gwada. Nous gardons un bel alléluia, Gwada. Soyez bénis, soyez bénis. Eh bien, nous allons saluer toute la Guadeloupe, Marie-Galante, Dominique, tout côté, côté, tous les recoins de la Guadeloupe. Nous allons un bel bonjour et savent que nous aimons. Je vous aime au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, je suis venu vous présenter cette émission Église du temps du réveil de la postérité. Il y a les numéros de téléphone qui suivent. Vous pouvez appeler Pasteur Rodrigue et puis vous pouvez faire une démarche, venir, viens et vois. Thème l'Église, le temps du réveil et de la prospérité, viens et vois. C'est pour ça que bon matin, nous allons saluer, nous allons dire un bel alléluia, restez branchés. Et surtout, si on y a un monde que vous connaissez qui est en difficulté, qui est malade, qui est gris, qui est découragé, prenez le téléphone, nous appelez, dit branchez quand il y a un TV. Alléluia, comme vous êtes avec nous, c'est vous passez vous dire. Ben, bonjour Wada, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour les Saintes Marie Galante, Désirade. Ah ouais, Désirade. Et ne faites pas nous oublier, yo, hein. C'est quand même, même si vous êtes détaché, mais vous quand même, il a dit que c'est plusieurs membres d'un seul corps. Mm-hmm. Alléluia. Donc, nous avons dit que je là vraiment que mon Dieu a uni nous, ça doit être l'unité. Guadeloupe, Martinique, et bon matin là, mon Dieu, montre un signe sur l'unité. Et ça était très belle. Ils montrent en premier et ils montrent en deuxième. Et ça était extraordinaire. Vraiment, quand les autres, si, ils ont voulu voir ça qu'on dit qu'a fait. Vine, tonne, coûte et voix. Et c'est conseil qu'a témoigné. Et témoignage qu'il a dit, c'est pas seulement téléphone, à part Facebook. Hein. Mais témoignage là, vrai, mais voix dans la vérité de ça qu'a fait manifestation. Là. Des gens qui ont guéri. Des gens qui étaient malades, des gens qui ont des problèmes de doute en disant qu'il y a eu. Vini et vrai, ça on est capable de faire. Parce que le Christ nous a rachetés, c'est ça qu'il a dit. Et quel jour là, on voulait vraiment montrer une manifestation. Mais un homme qui est debout là et qui est là, qui était à un fonctionnement qui n'était pas bon du tout, qui est un homme qui vraiment pas de savoir qui mounie. Mais je dis là. Parce qu'il va dire de demain, il va dire aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Mm-hmm. Avez-vous le temps? Vous n'avez pas le temps. Eh bien, je vais montrer qu'il dit vraiment, il compte en autres. Mais il va montrer les autres, et il est en train de montrer les autres en transformation. Il est en train de montrer les autres vraiment, j'ai qu'à laver mon, j'ai qu'à transformer, j'ai qu'à racheter. Et racheter, c'est vraiment ramener où? À une hygiène de vie, on a dit naturellement terrestre, mais ramener en Christ, parce que le fondement se trouve en Christ. Alléluia, on a dit un bonjour, et que là, nous avons tant de gens qui ont parlé, qui ont message, qui ont dit, vini, et vois ça, on a dit. Alléluia, et surtout nous les bénis, tous les techniciens de RTV, et qui a nous une belle image, qui a mis nous une belle boucle, qui a fait nous, qui a fait nous bien. Alléluia. Alors, bon matin, hein, serviteur Rodrigue, pasteur Rodrigue dit comme ça, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, regardez Adam, Galates 3, verset 13, regardez ce qu'il a dit là, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recusions par la foi l'Esprit qui a été promis. Alléluia. Le Saint-Esprit, bon Dieu promet nous, bon Dieu fait nous une promesse. Il dit nous comme ça, il n'a pas qu'à laisser nous orphelins. Il n'a pas nous le consolateur, le Saint-Esprit qui a vivant dans nous. Mais je dis à monsieur, madame, sous le vraiment transformation. Je dis, on y a un travail pour faire d'un conscience sous, un conscience sous, et puis un confiance sous, et puis un pensée où ce travail t'a on y pour faire de savoir que Christ vit en toi et en moi. Pas jamais oublier les moments gros pour l'arriver, les moments doute l'arriver, les moments maladie arriver, pas oublier que Christ a vivant dedans. La Bible dit comme ça dans 2 Corinthiens 3, verset 17, car vous savez ça,
c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hein? Nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es la nouvelle créature. Où peut changer la vie, où frère moi. C'est moi, c'est pas épi, un carnet totine, ni épi un tombe, ni épi un gros loto, ni épi un gros caillou qui a changé la vie. Où. Ça ne s'achète pas au prix de l'argent, ça s'achète au prix de la foi. La foi, F-O-I, la fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Au prix de la foi que ça s'achète. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon ami, arrêtez souffrir. Où la carte dit qu'on s'est levé, bon matin, quoi, levé au panier l'argent. Allez à Adam, à G2, verset 8, il a dit, l'or et l'argent est à moi, dit l'éternel Dieu des armées. Si tu fais partie de l'armée de Dieu, à ce moment-là, tu peux dire, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment aujourd'hui, tu peux comprendre qu'on y a un troupeau cabrit bon caillou et puis chien qui entre des cabrites là et puis vous comprenez ces cabrites là qui courent des chiens. Mais non, c'est berger qui entre un pack mouton hein, et puis qui courent des chiens et puis qui a baillé bois et puis qui a viré boucher trois pour chien pas entrant dedans. Mais qui m'a dit quoi dit l'éternel est mon berger et puis où les mener combat. C'est pas moi qui est pour mener combat, c'est berger qui vous défend nous. Alléluia. Alléluia. C'est sur quoi qui te berger à défendre nous. Il y a deux bagages. Il y a bâton, puis un petit coup de bâton, les fesses, et puis roulette là, puis mettez un coup pour vivre dans les chimères. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, aujourd'hui, si vous parlez et pratiquez la parole de Dieu, savez que la vie est un échec. Parce que le souffle de vie, ce n'est pas toi. Personne n'a jamais fait la grève respiration. Personne ne peut pas faire ça. Parce que bagaille ta dit dans l'an, c'est pas toi. Regardez combien de mille mouns se sont passés à qui mort à côté. Qui parti à côté. Et pour deux bouts là. Ou pas inutile. Babou Dieu l'a vu. Tant où était là. Et si vous avez dépassé 70 ans, frère, c'est un privilège pour entrer, pour baptiser, quoi, pour convertir. Quoi. Regardez Pierre qui l'a. Pierre était où on y est, bon Dieu. 50 jours avant la Pentecôte. Il trouvait qu'il est dans la chambre haute. Et j'outa là, le Saint-Esprit descend en l'air. Et regardez, il était à 12. Lorsqu'il dit, c'est 12, il était à 12. Et là, il est monté dans la chambre haute. Bon Dieu dit, les enfants et les femmes t'ont dit dans le bain là, il était à 120. Comment aujourd'hui, et c'est 120 là, il est ouvert tout à coup. Ou ça, dans le livre des Actes des Apôtres 2. Tout à coup. Ah, la flamme, oui. Le Saint-Esprit descend et puis remplit tout de la puissance du Saint-Esprit. Je dis à 120 personnes là, il y a au moins 80 madame. Je dis, on ne peut pas empêcher madame baler. Alléluia. On ne peut pas empêcher madame baler, on ne peut pas empêcher madame prêcher. Celle-là, quand on soule, on empêche madame prêcher, tirer le Saint-Esprit de Dieu. Et ce n'est pas où qui mettez, ce n'est pas où qui tirez, il y a. Alors, écoutez bien ce cadeau là bon matin. Ça, et puis ou quoi descend, et ou quoi ouais Adam baïta là là, ouais Adam tout à coup, Pierre aussi était là. Et puis Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Et puis regardez où ça Pierre fait, Pierre partit à prêcher. Et là Pierre était à prêcher, Pierre arrivait devant des bougs qui ouais était oigné Jésus. Et il dit Pierre, est-ce que c'est où il est là? Il dit, mais bien, c'est bien moi là. Je dis, mais qui m'a où qu'a parlé du bon Dieu? Je dis, mais oui, c'est bien moi qui là. Mais pas de sa vie est sorti dans la chambre haute parce que vous savez, joue la Pentecôte, ni mon qui a fait Pentecôte de différentes manières, ni à de qui a fait Pentecôte, et puis cabout, et puis crab, et puis despé, et puis champagne, bah, comme ça, et puis ni à de qui a fait Pentecôte, et puis bon Dieu, vraiment gloire. Vous comprenez ça? Eh bien, Pierre, pas de dans cet âge, il a fait, et puis alcool, là, et puis crab, et puis cabout. Ouais, Pierre était là, loué mon Dieu. Le Saint-Esprit descend dans les pierres. Et puis Pierre allait, il commençait à prêcher. Et puis les hommes qui ont dit Pierre, homme frère, que ferons-nous? Tant ça.
Pierre, il dit Pierre, mais c'est où qui wagne Jésus dit oui, c'est moi, mais il dit moi là c'est Saint-Esprit dit dans moi m'a prêcher l'évangile là. Et puis il a commandé homme frère, que ferons-nous? Et puis Pierre a répondu, Pierre a dit reportez-vous donc. Je dis oui, nous pas jamais une parole dans dit dans bouche Pierre. Reportez-vous donc, convertissez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour toi tes enfants et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui. Et en ce jour-là, regardez ça, il y a eu 3000 âmes qui babon Dieu la vie. Parce que là, le Saint-Esprit, il se passe des choses, mon ami. Voilà, nous y est là, nous les plateaux, voilà, il se passe des choses. Le Saint-Esprit, nous a fusé comme nous avons en relation, en contact, en travail par l'Esprit de Dieu, Pasteur Rodrigue et puis moi-même. Vous savez qui côté nous fait ça? Nous fait ça à soi en place Gourmand. Nous partons quand on connaît nous, un arc-en-ciel paraît et puis dit nous qu'on savoir là. Et c'était le témoignage de savoir comment on peut travailler ensemble. C'est pourquoi je vous dis, pasteur de la Guadeloupe, pasteur de la Martinique, arrêtez puis bah, l'église là. C'est mon église, ce sont mes boibis. Ou pas ni yon boibis qui t'en, pas ni pièce l'église qui t'en. L'église là, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, les brebis, ce sont les brebis du Seigneur. S'il est arrêté, il est arrêté. S'il est parti, il est parti. Pas vous même, ça, mais accordez-vous nous entre serviteurs parce que nous ne travaillons pas en même patron, en même papa, et pour nous ni en même l'esprit, là qui ni le Saint-Esprit, pas ni cancan, pas ni des autres, pas ni crête, pas ni rien. C'est pourquoi aujourd'hui je m'accorde avec des pasteurs de la Martinique, nous travaillons ensemble. Eh bien, et ici, mon imoun qui habite Bokayo, et puis mon nom qui a sorti juste à venir, non, mon gars, eh bien, reste là. Reste là. Puisque le travail même de l'église, c'est l'évangélisation. Et où est-ce qu'il s'appuie en fait? Il évangélise. Alléluia. C'est exactement ça. Et c'est ça qu'on va faire. C'est dans le jour où mon Dieu a dit ça ne doit pas rester ça. Il dit là, on lumière à lumière. Est-ce qu'on va mettre en bon couche? Parce que nous, on va aller naturellement langage à nous. Et c'est ça pour nous comprendre. Et écoutez bien ça, le pasteur Alain a dit. Le pasteur Alain a développé, il a expliqué aux autres. C'est Jean le Christ qui a prêché. C'est ça qu'il a dit, il n'a pas demandé de rentrer dans ton niveau. Il a dit où comme ça. Prends l'exemple, parce qu'il a pris l'exemple sur un pied bois. Il a dit où comme ça, il y a un figuier. Figuier là va apporter, mais qu'il soit maudit. Mm. Pas pourtant encore. Mm. Donc, je dis là qu'il a demandé. Il a dit vous êtes dépourvu de sens. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez pas à la vérité? Qui moune qui fascine les autres? Je dis là qu'il a quoi dormi ou pas, mais qu'il a quoi levé. Et. Il n'y a pas posé une question. Il a dit, mais demain nous revoyons. Il a dit, le temps ne m'appartient pas, ne vous appartient pas. Mm-hmm. Le temps n'est pas à vous. Parce qu'il y a plein de temps qui vous appartient. Qui moun qui a mis toi dans la résurrection parce qu'elle nous a résisté tous les jours. Tous les jours. Parce que je dis là, mon Dieu a dit, à travers ça. Il a dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit. Quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Mm-hmm. Il pas suffit de parler, il pas suffit de dire les choses. Mais qui j'en ai appliqué la parole là? Qui j'en ai dit la parole là? Qui j'en ai appliqué au commandement? Qui j'en ai appliqué aux lois que l'Éternel a donné? Qui es-tu pour juger les autres? Qui es-tu pour pouvoir critiquer? Mais mon Dieu qui a uni les églises. Et premier bidon, vous m'avez dit ça c'est extraordinaire. En cas sorti en dit dans gazon moi son va parler moi. Et l'esprit à l'éternel galé mes en moi va voir au ciel là. L'unité. L'unité, il dit où qu'on ça chaque fois il c'est pour rappeler alliance là. Guerre alliance là il fait entre Guadeloupe et Martinique là. Alliance là qui fait entre Guadeloupe et Martinique. Donc c'est ça qui fait que bon Dieu qu'a mandé nous. C'est ça qu'il a dit nous aujourd'hui là. De faire alliance là ça et que nous travaillons ensemble. Alléluia. Alléluia. Eh bien, c'était le temps de la prospérité, du temps du réveil. Allez, ETV bon matin. Hein. Nous avons béni bon Dieu pour de tels moments. Et nous avons un grand merci. Alléluia. Que bon Dieu a béni toute la Guadeloupe. Amen. Amen.